Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios. La 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dani, la radio Puissance Max. Comme je l'ai dit la semaine dernière, vous allez voir mes pronostics épiques assez tôt dans la semaine. Et oui, avec mes horaires de travail, je n'ai pas trop le choix. Pour notre mardi 5 juillet, notre KT aura lieu sur l'hippodrome de Vichy, conditions de course réunion à course 4. Distance de 1950 mètres, que 14 au départ. Attention, c'est encore un KT qui va avoir lieu à 18h, donc faites très attention. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 8, Fiesta du Belvert, mon cheval du jour pour ce KT. Elle est des plus régulières en ce moment. C'est un très bon point d'appui. Je lui oppose le 10, Fredo. Il vient de prendre deux très bonnes places. Elle est très très bien dans les KT. Je la vois également bien se comporter. Le 11 Fantasia de Ligny, ma troisième base, c'est une candidate très sérieuse pour les places. Le 9 Era de Lavadure sera mon très très gros coup de cœur pour ce KT. Donc mes 4 bases, le 8, le 10, le 11 et le 9. Le 1, Euricus Ludois, on ne sait pas trop où elle en est en ce moment, mais dans un bon jour, elle peut venir faire pimenter les rapports. Le 6 Éditeur La Ravelle pour une place. Le 14 Hélène Baroque, bon coup de folie. Et je termine ma sélection par le 13, favori de Lito, qui sera bon coup de poker. Donc, mon cheval du jour, le 8, mais de base, le 8 et le 10. Bon coup de cœur, le 9, bon coup de folie, le 14, et mon coup de poker, le 13. Mais 2 sur 4, le 8, le 10 et le 11. Mes couplets gagnants placés, le 8, le 10, le 11 et le 10. Je répète ma sélection, le 8, le 10, le 11, le 9. Le 1, le 6, le 14 et le 13. Voilà, ça est terminé pour mon pronostic pour notre mardi. Retrouvez-le sur la radio LSS.fr, sur la radio RDC.fr. Attention, KT encore une fois à 18h. Donc faites très 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 attention. À demain pour de nouvelles aventures, que Squall leur soit le pharaon des courses.